Bonjour à tous, nous allons répondre à la question de Gisèle. Y a-t-il des genres ou des utilisations du cinéma qui seraient spécifiquement malsains pour l'esprit du spectateur? Quel impact ont les films sur les différentes parts de l'esprit? De quel besoin inconscient l'invention du cinéma est-elle issue? Et existe-t-il dans d'autres niveaux de conscience? Alors ce qu'on va faire, comme il y a plusieurs questions, tu me les fais une par une. Alors première question, y a-t-il des genres ou des utilisations du cinéma qui seraient spécifiquement malsains pour l'esprit du spectateur? Ben non, malsain, le cinéma n'est ni sain ni malsain, tout dépend de l'impact qu'il a sur nous. Donc on devrait plutôt se demander s'il existe des personnes qui sont sensibles, qui sont réceptrices, qui sont fragiles même. Et s'il existe des personnes qui peuvent voir même un film de guerre et en même temps rester très doux, rester très décontracté, etc. Donc je ne pense pas qu'on puisse dire que les films en eux-mêmes sont ceci ou sont cela. Bon, après, c'est vrai qu'il y a des sortes de films trop violents ou trop sanguinolents qu'il vaut mieux éviter. Mais sinon, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y ait des films ceci ou cela. Après, c'est vrai que l'esprit humain peut se détendre avec des idées qui peuvent être parfois un petit peu bizarres. Il y a bien des jeunes qui se courent après avec des pistolets, qui lancent des balles de peinture, je ne sais plus comment ça s'appelle. Oui, paintball. Le paintball, voilà. Donc voilà, après, quelque part, on pourrait dire c'est violent, ceci, cela. Non, ils se marrent. Donc voilà. Et je pense qu'un jeune esprit, comme un esprit un peu plus âgé, peut faire la différence entre le réel et le fictif. Il m'est arrivé, moi aussi, de jouer à des jeux de guerre. Où on voit la première personne, quelqu'un qui tient un fusil, tout ça. Bon, c'est marrant. Voilà, en plus, moi, je trichais, je jouais avec des cheat codes, oui, pour aller avoir un mot de god, tout ça. Ça fait que personne ne me voyait. Moi, je pouvais tuer tout le monde. Je me marrais comme un petit fou. Mais je pense que l'esprit est capable de faire la distinction et de, voilà, on va dire, de passer outre, de se détendre, etc. Voilà, c'est pas un gros souci. Quel impact ont les films sur les différentes parts de l'esprit? Bah, c'est toujours pareil, ça, en rapport avec la première question, mais du moins ma première réponse. On va dire que il n'y a pas d'impact profond si la personne n'est pas troublée. Après, c'est toujours pareil. Moi, si par exemple je vois un film qui ne me plaît pas, il y a des films. Je vais même regarder des films de zombies, là, comme le fameux. The Walking Dead. Voilà, Walking Dead. Bon, voilà, à la limite, ça me détend. Après, c'est vrai qu'il y a des films qui ont un caractère psychologique très stressant. Mmh. Il y a des films qui ne sont pas nets du tout, comme La colline a des yeux, 1 et 2, là. Alors, ce genre de film, je ne vais pas les voir. J'ai des vues, mais je ne vais pas les voir deux fois. Parce qu'il y a des, voilà, il y a des sujets qui sont stressants, qui sont psychologiquement stressants. Et bon, ça peut éventuellement avoir un impact sur, on va dire, le cerveau profond, sur le subconscient. Il est certain qu'il ne faut pas faire regarder à des gamins de 6-8 ans des films d'horreur un peu trop gore, tout ça, ça peut les marquer, voilà. Bon, après, c'est tout ce que je dis, c'est relatif. Moi, quand j'avais 8 ans, j'avais un état d'esprit, et les gamins de 8 ans maintenant, ils en ont un autre. Donc voilà, les choses évoluent. Je ne pense pas qu'on puisse faire de généralité là-dessus. C'est à chacun d'établir un équilibre, non pas en fonction de sa façon de croire, de penser, de dire, mais en fonction, ben, par exemple, de ses gamins, voilà. Celui qui a un gamin, c'est à lui de voir si son gamin lui semble plutôt fragile ou plutôt décontracté et réagir en conséquence. De quel besoin inconscient l'invention du cinéma est-elle issue? Oh ben, besoin d'expression. Le cinéma permet non pas de rêver uniquement, mais permet d'exprimer le rêve. Parce que rêver, c'est une chose, mais l'expression du rêve, ça en est une autre. On va dire que le rêve est très personnel, le rêve est très limitatif quelque part, parce que c'est de nous à nous. Tandis que le cinéma permet d'exprimer le rêve et de le faire partager à tout le monde. Existe-t-il dans d'autres niveaux de conscience? Ben, je serais tenté de dire, je me rappelle quand j'étais jeune, mes enseignants, mes profs, on va dire, ou mes maîtres, appelez ça comme vous voulez, m'avaient dit que si je ne faisais pas gaffe, que je pensais trop à Mickey, j'allais le rencontrer dans l'astral. Et c'est vrai que quelque part, on peut dire que quand quelque chose nous marque, ben on le crée mentalement, et c'est vrai qu'on peut de l'autre côté, dans certains sous-plans on va dire, rencontrer Zorro, Mickey, toutes ces créations du cinéma et de l'imaginaire. Mais voilà, après ce sont des créations auxquelles l'esprit humain a donné vie, et aussi longtemps que les gens s'en souviennent, ben ces choses elles vivent. Mais voilà, c'est de l'illusion, c'est un petit peu comme pour ce qui consiste en le dévachant, pour ceux qui ont écouté la vidéo.
voilà, c'est l'imaginaire qui donne libre cours à ses désirs, à ses espoirs, etc. Voilà. Bon, maintenant, dans l'absolu, tout ce dont nous sommes conscients existe, parce qu'on ne peut pas avoir conscience d'une chose qui n'existe pas, au moins pour nous. Donc, tout existe et n'existe pas en même temps, et je dirais, nous y compris. Et voilà, c'était la dernière question. Je te remercie et à bientôt.